Il y a plusieurs sortes d'artistes, il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des, je sais pas, il y a des musiciens même qui sont là. Et j'ai eu même l'occasion de visiter quelques ateliers qui m'ont beaucoup impressionné. Un atelier pour un artiste, c'est la possibilité pour lui de s'exprimer. C'est la possibilité de vivre et de s'exprimer. D'avoir un lieu de travail. Tout le monde dans la vie a besoin d'un lieu de travail. Que ce soit une usine, que ce soit autre chose. Mais disons que l'atelier, c'est l'usine de l'artiste. La ville de Paris a très très peu d'ateliers. Les ateliers qui existent sont très chers. Or, donc d'avoir un atelier dans des conditions normales de location comme ici, c'est vraiment formidable. Si on passe à un autre niveau, les jeunes artistes n'iront plus leur entrée. Moi, je trouve ça complètement dramatique parce que la vie, c'est ça, hein, c'est de faire cette ouverture pour les plus vieux, mais pour les plus jeunes aussi. Hein. C'est formidable pour un artiste. Ça a été fait pour qu'on n'ait pas de problème de loyer. Donc moi, quand je suis arrivé ici pour la tribu 1, j'ai dit merci. J'avais l'électricité, le chauffage. J'ai eu assez d'ateliers dans Montmartre où on me coupait régulièrement l'électricité parce que je ne pouvais pas payer. Ici, c'est génial. Hein, c'est bon. C'est la sécurité de pouvoir travailler au chaud et avec la lumière. Parce que la peinture aux bougies, c'est pas terrible. Hein. J'ai eu, c'est pas terrible. Même si tous les jours on n'a pas de contact avec des peintres, des sculpteurs, des architectes, on est là entre créateurs. On ne peut pas se tromper de pourquoi on est là. On est là pour créer dans un ensemble de créateurs. Jean-Pierre Chaput, c'est un ami peintre qui avait un atelier ici, dans l'autre bâtiment. Et puis un jour, il a eu un revers de fortune. Alors, il n'a pas pu garder son atelier. Moi, j'avais de la place. Alors, je lui ai proposé de venir travailler ici parce qu'il est un endroit pour travailler. Petit à petit, bon, y a des liens qui se tissent. Moi, je connais pas mal de gens ici que j'ai rencontrés soit pendant les ateliers portes ouvertes, soit par hasard en les croisant. Et puis, y a des interconnexions qui se font. On s'entraide. Les gens ont des spécialités ou des connaissances techniques différentes. Ça porte un beau nom parce que Montmartre, c'est quand même un lieu symbolique où beaucoup d'artistes sont passés, et pas forcément ici dans la cité, mais dans d'autres cités qu'il y a aux alentours, sans compter ceux qui ont été carrément sur la butte, on peut en citer des dizaines, disons par exemple Van Gogh, Utrillo, Picasso, Bateau Lavoir. Un tel métier, si on l'exerce à 300 km de Paris ou ne serait-ce qu'à 100 km, n'a plus rien à voir. À la mesure où, si on est connu, les gens viennent vous voir, même au loin, se déplacent. Si on est peu connu, il faut vraiment être là pour qu'on se souvienne de vous.
Salut Roland. Ça va? Ouais, tu vois ce que tu faisais? Je suis en train de travailler un gros plan sur une piscine en Floride, d'après une photo que j'ai prise là-bas. Et c'est presque abstrait. Bah, c'est ça l'idée un peu. Hein. Je veux... C'est ça. Hein. À première vue, c'est presque un tableau abstrait, mais quand on regarde bien, c'est une... les marches qui descendent dans une piscine. Et c'est la luxuriance. Oui. Ah. Et, il y a des peaux de panthère. Oui, on dirait un peu, non? C'est parce que ça m'ennuie de suivre exactement la photo, alors je regarde un peu et après j'entre dans mes fantaisies propres. Proprement. Des vertèbres. Oui. Et peut-être. Je pense que ça, à la fin, ça donnera quand même l'impression de l'eau. Mais déjà, ça la donne, de toute façon. Il faut finir avec des glacis pour le rendre plus bleu. Déjà, c'est une grande aide financière parce que les loyers ne sont pas chers. Et ça me permet de travailler sans trop me soucier de gagner ma vie. Et ça, c'est bien. C'est un système qui n'existe pas aux États-Unis. Je suis très content d'en profiter ici. Sur d'autres plans, au niveau des contacts avec les autres artistes, c'est très très bien aussi. Et il y a un côté très charmant que j'aime bien ici. J'ai l'impression avec ces bâtiments d'être sur des sortes de navires sur l'océan qui est Paris, qui est la ville, parce que les bâtiments sont ouverts de chaque côté. Il y a les entrées extérieures. On a l'impression d'être sur un navire et tout le temps en vacances dans un sens. Et j'aime bien ça. J'ai un deuxième atelier, en fait c'est le premier atelier que j'ai eu ici, qui est un peu plus grand qu'ici. Et j'ai vécu là 9 ans, j'ai travaillé là et tout. Et finalement j'ai pu avoir ce deuxième espace que j'ai aménagé en espace pour travailler, et l'autre espace je l'ai aménagé en appartement. Et l'autre espace c'est un peu mon coin de Floride, sur les toits de Paris, parce qu'il y a un palmier, les murs blancs, un grand dessin de ma famille, d'après une vieille photo. Avec Ronald Bowen, j'aimais assez sa tête d'empereur, on peut dire. Et un jour, je lui propose de faire son buste. Donc après tractation, finalement, il accepte parce que c'est toujours du temps quand même. Et donc, je me suis mis à modeler sa tête. À force de poser pour lui, j'ai eu l'idée de faire un tableau de lui en train de travailler sur mon buste. J'ai réalisé le tableau et... À la fin, on a fait un échange. Lui, il a le tableau et moi, j'ai une copie du buste en plâtre. Et ça a fini par être un échange très intéressant. Aussi parce qu'en posant, on a passé des heures à parler de tout, de n'importe quoi, parce qu'il n'est pas là à travailler sans parler. Et c'était très, très intéressant. On est le seul îlot qui soit constitué comme ça, qui est quand même très spécifique. Ça a été construit pour des artistes, donc ça a été construit avec l'idée que c'est des artistes qui allaient l'utiliser. Donc ce n'est pas des appartements, c'est des ateliers. Il y a 25 mètres carrés derrière, et il n'y a jamais eu un appartement avec 25 mètres carrés derrière. Donc c'était prévu pour des artistes. Bon, le point de départ, ça a été un jour, une idée, une envolée lyrique d'un conseiller municipal, à ce moment-là c'était des conseillers municipaux du 18e arrondissement, et qui avait lancé une proposition pour que, c'était en 24, donc c'était les années où les deux pôles, disons artistiques, entre guillemets, de Paris, c'était Montmartre et Montparnasse. Et alors, ce type-là avait eu l'idée de dire, bon, ben, pourquoi est-ce que la ville de Paris ne créerait pas une espèce de cité, de lieu privilégié, enfin privilégié entre guillemets, c'est-à-dire destiné spécialement aux artistes, peintres, sculpteurs, etc., de Montmartre, pour honorer, quoi, continuer la tradition de Montmartre, de Bateau-Lavoir là-haut, etc. Enfin, tout le truc qui s'inscrivait dans une tradition, quoi. Le bâtiment concentre un très grand nombre d'ateliers d'artistes. Hein. 180 portes, on peut considérer qu'il y a 160 ateliers, parce qu'il y a des grands ateliers, des petits ateliers. En trois bâtiments, alors, pour des raisons financières... plutôt de montage de l'opération qui n'a pas très bien réussi, il n'y a que le premier bâtiment qui est correctement traité au niveau architectural. Mais sa façade est très représentative de l'architecture qu'on appellera plus tard style art déco.
Les premiers artistes qui venaient prendre un local ou un autre dans cette cité avaient des actions. C'était une espèce de forme de société. Ils avaient des actions. Au départ, c'était en location-vente, c'est-à-dire que ça devait nous appartenir. Alors on payait des loyers c'était comme si on l'achetait, mais il fallait plusieurs années pour ça. Alors pendant quelques temps, presque tout le monde a payé. Et puis, petit à petit, il y en a beaucoup qui ne payaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que, bon, c'était difficile, c'était un peu la bohème, hein, à l'époque. Ça s'appelle Montmartre aux artistes, et c'était vraiment Montmartre à ce moment-là. Il y avait des choses amusantes, comme, par exemple, si on oubliait de payer son loyer, et que les huissiers venaient, il y avait, dans la première cour, un camarade qui jouait du cor, et que cela signifiait que un huissier arrivait dans la maison, tout le monde fermait la porte, vite, 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 barricadait. Il n'y avait plus personne. Il y avait un esprit montmartrois, qui malheureusement n'existe plus. Alors bon, ça faisait des palabres et des discussions, tout le quartier était en émoi. Et mais le soir, ça se finissait toujours très bien, parce qu'on faisait des bals pour fêter ça, il fallait bien que... Alors on faisait des bals, il y avait un bal très couru qui s'appelait le bal de la Dèche Noire, qui était mené par un chanteur chansonnier qui s'appelait Goupy. On prenait quelques musiciens, ou même parmi les camarades, qui jouaient de la guitare, qui jouaient du violon, et puis on dansait.